Et il y a une vidéo de... Il y a un extrait de Fred où il dit... Il dit... bon, ici, encore une fois, il me fait des vannes, etc. Il dit... oui, Antoine, il a pas le chat d'ouvert sur ses lives. Il le lit pas. De toute façon, il l'a pas d'ouvert. Il a juste la fenêtre des subs qui est là. Et s'il y a un message, c'est uniquement parce que quelqu'un l'a mis dans son sub, tu vois, le message. Et y a quelqu'un qui lui demande dans le chat, c'est premier degré ou pas? Mais je me dis, mais ces gens-là, mais comment font-ils pour survivre dans le monde, en fait? Comment font-ils, en fait? Comment ils font, en fait? Comment ils font, en fait, pour survivre? Ça doit être, mais ça doit être dangereux, en fait, pour eux. C'est vraiment, mais c'est pas possible. La moindre arnaque au téléphone, ils tombent dedans, quoi, c'est pas possible. Évidemment que c'est premier degré. Bien sûr que oui, que j'ai que le truc des subs ouverts. Là, je vois vite fait le chat parce que je me regarde sur l'écran là, mais je le vois ici. Mais dès qu'on va passer en fenêtre de jeu, évidemment que je vais pas le voir. Là, je le vois vite fait, mais surtout, je me regarde moi, en fait. Je suis trop magnétique, en fait, tu vois. Et du coup, je me regarde moi. Et parfois, je vois un peu sur le côté le truc qui bouge, je me dis, ah oui, c'est vrai, y a des messages, tu vois. C'est vrai, oui, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais, enfin, je veux dire, les gens, enfin, pour revenir là-dessus, les gens qui sont sur le live de Fred et tout, il fait du second degré. En fait, il rigole juste quand il dit bite tes couilles, je pense. Après, ouais, j'avoue que c'est quand même marrant quand il le dit, tu vois. Mais il n'y a pas que ça, tu vois, il fait beaucoup de second degré et tout. Du coup, j'étais en mode premier degré. Mais ça se voit, enfin, je sais pas. Restons tolérants envers l'innocence des gens. Bah ouais, mais du coup, après, le mec qui a dit ça, il doit se dire, ah bah putain, mais quel bâtard, ce mec, il regarde pas son chat parce qu'il l'a même pas ouvert, en fait. Je l'ai d'ouvert et je ne le regarde pas. C'est vraiment un choix très conscient. Ma part. Ça n'a rien à voir.